Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Il est 6h30, j'espère que vous l'aurez ce soir. Et nous sommes jeudi parce que j'ai pas de vidéo prévue pour aujourd'hui. Mais je me suis dit un retour de course, c'est plutôt pas mal. Je suis allée à Leclerc, Bayeux. J'aime trop ce Leclerc. Et donc voilà, donc j'en ai eu pour 202€. Oui, oui, vous avez bien entendu, 202 balles. Ça fait mal. Bref, c'est parti. J'ai repris des Activia citron. Nous, on adore ces Activia-là. Et là, c'est rare que j'en trouve en gros lot comme ça. Souvent, ils sont vendus que par 4. Donc, j'en ai racheté. Nous avons repris du fromage blanc 0%. Il y avait une promo sur le plantafin, vous savez, le liquide. Moi, je prends ça pour cuire tout. Je prends plus de beurre. Je prends soit ça, soit de l'huile d'olive. Et donc là, c'était un acheté, le deuxième à moins 80%. Donc, ça valait le coup. Donc, on en a pris deux. J'ai repris des pâtes, j'en ai pas pris des complètes. Le rayon pâtes complètes, que ce soit bio ou pas, il n'y avait plus rien. Donc j'ai repris des pâtes normales, j'ai pris des farfales. J'ai repris en petite boîte, j'ai pris des champignons pieds et morceaux, ainsi que des petits pois. Je me suis repris ce petit plaisir de café latté, ça faisait très très longtemps que je l'avais pris. Je me suis dit, allez, on se fait plaisir. De l'emmental. Un poireau, je vous ferai une recette. Pourquoi j'ai pris un seul poireau? C'est une recette de pâte allégée. Donc je vous ferai cette recette là. Normalement, je pense qu'elle sera dans le vlog de la semaine prochaine. J'ai repris deux paquets de viande hachée. J'achète plus de steak haché. Je préfère prendre de la viande hachée et de faire moi-même les steaks hachés. Comme ça, je les aromate comme je veux, etc. Et ça coûte beaucoup moins cher en viande hachée. Et souvent maintenant, je congèle comme ça, au moins je suis tranquille. J'ai repris du café royal pour ma petite Nespresso. J'ai repris des blinis parce qu'on a du monde ce week-end. J'ai repris du fromage blanc 0%, mais cette fois-ci en pot. Ainsi que des Daily Light, pareil, 0%. Les Daily Light, on en mange comme ça avec du sucre de coco qu'on achète sur le site de chez Coro. On va refaire là, je vais refaire aujourd'hui une commande de chez Coro. Et je pense que vous ne la verrez pas dans ce vlog qui sortira lundi, mais dans le vlog qui sortira la semaine d'après, le temps que je reçois. Mais nous, on les mange soit comme ça avec le sucre de coco, comme je vous disais. Ou sinon, je fais ma recette de pancake que vous avez déjà vue lors d'une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Si j'y pense, je vous la mettrai dans le petit. J'ai repris également deux pâtes feuilletées, un paquet de pommes de terre pour faire des frites. Je vous dis, on a du monde ce week-end à manger. Ici, j'ai repris deux paquets d'allumettes comme ceci, avec moins 25% de sel, c'est super. J'ai pris du jambon à griller. En fait, la semaine prochaine, si vous me suivez, je reprends un peu de jour et je continue un peu mes nuits. Mais il va falloir que je m'organise un peu pour les repas, parce que quand je vais être de jour, je ferai 7h, 17h ou 11h, 21h. Donc, il faudra que tous les repas de toute la journée, voire du lendemain, soient prêts déjà. Et des trucs comme ça, vite fait, ça va être plutôt pas mal. J'ai repris 4 paquets de blanc de poulet au poivre. Nous, on l'adore, mais je ne le trouve pas tout le temps. Donc là, j'en ai pris 4 paquets. Ils sont bons jusqu'au 10 février. Ils seront mangés. C'est très, très bon, le blanc de poulet. C'est pas donné. Les 4, c'est 2,50€, il me semble. Mais bon, on aime trop ça. Et j'ai repris des tranches fines de lard pour faire des eggs muffins à ma tesse. Ici, en fait, j'ai repris mes tagliatelles aux œufs. Je trouve que ce sont les meilleurs. J'adore la marque Barilla. Mais les tagliatelles de chez Luscucru, franchement, elles sont top. J'ai repris des œufs qui sont élevés en plein air. Donc voilà, comme ça, tout le monde est content. Ici, on a repris du chocolat en poudre. On prend toujours le poulain, ça fait des années. Et nous, on l'adore, le poulain. Là, alors, j'ai repris des bananes. Elles sont toutes petites. Je suis un peu dégoûtée. Il n'y avait pas des bananes normales. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je verrai si je ne vais pas faire un tour à grands frais dans les jours à venir. J'ai repris une salade en sachet comme ça. Jeune pousse. Du concentré de tomate Eco Plus. Ça me sert toujours. Et il y avait une promo de Pink Lady. Tout ça était à moins de 4€. Et franchement, les Pink Lady, c'est hyper cher. Moi, c'est mes pommes préférées, mais c'est trop cher, quoi. C'est très, très cher. Et là, moins de 4€, tout ça, ça valait le coup. Ensuite,
Ouais. Ici, je le pose. Alors, j'ai appris pas mal de gâteaux apéro parce qu'on n'en a plus du tout. En fait, c'est vrai que... on n'en a plus. Et j'aime bien en avoir de temps en temps au cas où qu'on aurait du monde à l'improviste à l'apéro, ce qui est très rare chez nous. Et je vous dis, ça, ce week-end, on a du monde. Donc, j'ai repris des chips de crevettes. Elles étaient en promo. Ici, des pains à muffins. J'ai repris 4 petits croissants. Ça va se casser la figure. J'ai repris 4 croissants parce que j'avais envie de croissants ce matin. Vous savez, j'aime trop manger les croissants grillés au grille-pain et mettre un petit peu de confiture de framboise. J'aime trop, donc je me suis fait plaisir. J'ai repris des petits citrons verts parce que dans mon eau, je voudrais mettre des citrons verts et j'en avais plus. J'en ai tout le temps d'habitude, d'ailleurs, j'en avais plus du tout, donc j'en ai repris. Je me suis repris un shampoing sec Baptiste pour les brunes. Franchement, c'est le meilleur. J'aimerais trop tester celui de chez Kérastase. Mais en attendant, j'ai racheté celui-ci parce que j'ai terminé les miens. J'ai repris une sauce bolognaise. Des petits bas, vous savez, des chaussettes Dim. De chez Casse-Grain, j'ai repris la ratatouille. J'aime bien la faire moi-même. Mais franchement, celle-ci, elle est trop bonne. À l'huile d'olive vierge, cuisine à la Provençale. Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment bonne. Je l'ai testée l'autre jour. Je l'avais achetée à Auchan dans mon ancien retour de course. Et elle était bien plus chère que là, ça allait. J'ai repris une petite bouteille de Ricard puisque ce week-end, on a du monde. Et eux, ils boivent du Ricard et nous, on n'a pas de ça à la maison. J'ai repris 2 paquets de Spritz pour changer des fois les petits-déj. Oui, c'est des petits-déj assez sucrés. Mais on n'en mange pas tout le temps et c'est pour de temps en temps. J'ai repris des champignons entiers cette fois-ci. De la farine de blé. Du sucre en poudre, même si j'en utilise beaucoup, beaucoup moins. J'en utilise presque plus, mais j'aime bien en avoir en stock quand même. De la moutarde pour Matt. Je me suis repris un après-shampoing et j'ai testé celui-ci. Vous savez, c'est la gamme Marc Repère. C'est pour les cheveux secs ou abîmés. Il a l'huile d'argan kératine et céramide. Voilà, c'est un après-shampoing. Celui-ci est sans silicone, donc c'est cool. J'utilise, vous savez, depuis que j'ai fait mon Botox aux cheveux, j'utilise le shampoing de la marque Lazartig, qui est sans sulfate, sans rien. Mais pour tout ce qui est après-shampoing ou masque, s'il y a du sulfate ou quoi, c'est pas très grave. Donc j'ai repris un bidon comme ça, parce que moi, j'ai pas le choix. J'ai pas beaucoup de cheveux, mais si j'ai pas d'après-shampoing, ils sont hyper emmêlés et c'est catastrophique. Je me suis repris des collants comme ça de la marque Tissaya. Franchement, ça me va très bien. Ça me fait suer de mettre trop d'argent dans des collants parce que moi, j'arrive pas à... Il y a Saphir. J'arrive pas à les tenir. Donc là, ça me va très bien. 3 euros les deux. Et j'en ai pris un de couleur beige. En gâteau apéro, on a repris des petits donuts. J'ai repris des curly, mais de la marque Repère. J'ai repris également des crackers comme ça au fromage de la marque Repère. J'ai repris là du peanut butter, du beurre de cacahuète. Mais cette fois-ci, je l'ai pris crunchy. Donc, on verra bien. Et en ce moment, je me prends ça au petit déjeuner avec une banane. Et franchement, ça me cale. Et ça, c'est trop cool. Et je me prends ça avec ce genre de pain. C'est du pain de mie, céréales et graines. Celui-là est céréales et graines. Riche en fibres, voilà, de la marque Repère. Il existe également en marque Harris, mais franchement la marque Repère, il est très très bien. Et j'ai pris également celui-ci qui est farine blé complet et orge maltée, et pareil, de la marque Repère. Et franchement, pour le matin, je me prends 2 tartines, je mets un petit peu, hein, je mets pas 3 tonnes comme du Nutella ou quoi, un petit peu de beurre de cacahuète, je coupe une banane dessus, j'avale ça avec un chocolat chaud, un kiwi, et ça fait l'affaire. Et pour dans ce sac, j'ai repris également une brioche tranchée aux pépites de chocolat pour le week-end. Faut savoir se faire un petit peu plaisir également pendant ce petit rééquilibrage alimentaire. On fait le dernier sac. Hop. Alors, dans ce dernier sac, j'ai repris du Saint-Mauré comme ceci, ainsi que des surimi. En rééquilibrage alimentaire, je pense que ça, plus le blanc de poulet, c'est l'aliment que je mange le plus. Ici, j'ai repris
deux paquets comme ceci de pommes rhubarbe en compote. Et je ne sais pas où est le deuxième. J'ai pris deux paquets de pommes bananes en compote également. En viande, là, j'ai repris des petites cuisses de poulet. Franchement, le prix, ça vaut le coup. Donc, voilà. Là, j'ai repris des kiwis jaunes. Moi, j'adore les kiwis jaunes. J'aimerais beaucoup tester, c'est les kiwis rouges. D'habitude, à Leclerc Bayeux, ils en vendent. Et là, il n'y en avait pas, donc tant pis. Mais quand je tomberai dessus, je voudrais tester. C'est très cher, les kiwis rouges. Je crois que c'est plus d'1,50€ le kiwi. Et j'en achèterai un ou deux pour goûter. Dites-moi si vous avez goûté vos kiwis rouges. Ça m'intéresse. Mais moi, les jaunes, j'adore. J'aime pas trop les verts. Mais les jaunes, tous les matins, j'en mange un. J'ai repris un beurre tendre. De la mozza râpée. Du 3 fromages râpés. Là. J'ai repris deux paquets d'escalopes de dinde comme ceci. J'en ai pris deux paquets comme ça, je vais en congeler. Et j'ai repris des pilons de poulet également. Hop. Là, j'ai pris deux bouches à la reine. Nous, on aime beaucoup ça. Et ça, avec une salade pour le soir, quand je ne fais pas de soupe, ça suffit largement. L'autre paquet de compote. Ici. J'ai fait un petit plaisir parce que ça c'est gras. Hein, de Isigny, nous on habite juste à côté d'Isigny. J'ai pris un fromage frais aux framboises. Si vous avez l'occasion par chez vous de trouver, nous on habite à 5 km d'Isigny, hein, donc on peut en acheter comme on veut. Goûtez leur fromage blanc, que ce soit au fruit ou nature, il est délicieux. Il est vraiment très bon. Après, il est très très riche, hein, mais de temps en temps. J'ai repris un taboulé oriental. Moi j'adore le taboulé oriental et j'ai repris des carottes râpées. Ensuite, là, j'ai repris des gnocchis pour Mac le midi. C'est plus rapide pour lui quand moi, j'ai pas le temps de lui faire à manger. En fromage, j'ai repris un petit pavé d'Isigny. Pareil, si vous voulez goûter un très bon fromage, pas trop fort, hyper tendre et tout, goûtez le pavé d'Isigny. J'ai repris un petit comté affiné 10 mois. Ça va être trop bon. Des petits fromages à croque pour les ex-muffins. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse dans le vlog qui va sortir lundi des ex-muffins pour que je vous refasse la recette. Il n'y a pas de problème puisque je vais en faire ce week-end. Et j'ai racheté ceci, c'est de la crème de président, crème de camembert. Moi, j'aime beaucoup ça avec du pain frais. C'est pépite. Vous allez dire, la nana, elle est au rééquilibrage alimentaire, elle se fout de ma goule. Pour ce soir, j'ai pris ça, un cake au chorizo. Je vais le faire chaud avec une petite sauce à la tomate et de la salade. Et ce sera très bien pour ce soir. J'ai repris des petits feuilletés comme ça, jambon fromage, pour Mathias la semaine prochaine. Ce que je vous dis, je vais finir très très tard la semaine prochaine. Donc, je vais rentrer pas avant 22h quand je vais être de jour. Donc voilà. J'ai repris de la crème liquide. Et là, pour l'apéro, j'ai pris des petits dés de ail et fines herbes. Samedi, on a du monde et on va faire une fondue. J'ai pas du tout pris ma viande de bœuf parce que on est jeudi, je préfère la prendre samedi, elle sera fraîche. Et nous, en plus de la viande de bœuf, on met souvent des escalopes et je fais des petits morceaux d'escalopes panés et on met ça dans la fondue. Donc il me reste plus que ça à acheter et l'huile à fondue que j'ai complètement zappé. Donc voilà, j'en ai pour 202 balles. Mais je peux vous dire que là, on va tenir un très long moment. Je ne suis pas prête de refaire des courses. Je vais juste refaire un drive avec tous mes packs d'eau, mes packs de lait, du papier toilette et j'ai pris quoi? J'ai pris du sopalin. Donc voilà, il n'y a que ça dans mon drive que je vais aller chercher demain matin. Et je vais racheter des fruits et légumes parce que les fruits et légumes à Leclerc ne me donnaient pas du tout envie. Mais je pense que je vais passer devant un grand frais ou quoi courant de semaine. Donc, je vous les montrerai au pire dans le vlog de la semaine prochaine. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous la monter très rapidement. Vous l'envoyez rapidement. Vous l'aurez ce soir. Il est 7h moins quart. Je pense qu'à 7h30, vous l'aurez. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je suis en repos. Je suis très contente. On se retrouve très vite dans une face cam et lundi ou mardi dans le vlog. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite. Bisous tout le monde.